Ensemble technique encore, on fait le tour de qu'est-ce qu'il y a dans le sac. Ça, c'est l'ensemble flipping. Donc vraiment, je m'attends à voir des leurres, pour faire un montage d'exemple, des leurres un peu plus compacts pour la végétation. Donc déjà en partant, un worm, super bon à monter en texan, un verre en plastique, c'est toujours bon. Un BFE, donc vraiment on va voir des genres de plastique plus compacts pour flipper de la végétation dense. Un de mes trailers à jig préférés, donc si j'ai un trailer à jig, je vais avoir un jig là-dedans. Bien sûr, si moi quand on parle de flipping, ça prend un jig là-dedans. Avec le mini flip de Weapons, j'imagine qu'il va y avoir d'autres types de jigs qui peuvent venir dans votre ensemble, mais c'est sûr que le mini flip, c'est winner. Oh, un wide gap, 3-0, jungle, super. On va pouvoir aller attaquer de la végétation dense. Un all-purpose, c'est juste un bon hameçon de texan pour les plastiques un peu plus minces. Ça dit worm, mais n'hésitez pas à vous en servir pour des plastiques autres. C'est juste que la hampe est un petit peu décentrée. Puis j'ai deux grosseurs de poids en tungstène dans le kit. Fait que vraiment, je vais pouvoir faire des montages texans comme celui-ci. Donc ça, c'est un Adrenaline Craw, mais j'imagine que ça va être un plastique qui va pouvoir se retrouver dans vos ensembles. Donc un montage texan comme celui-ci. Vraiment pour faire du flipping dans de la végétation plus dense. Donc aussi, quand vous allez vouloir pêcher au jig, vous pourrez attacher votre jig puis mettre un de vos plastiques préférés à l'arrière. Je suis vraiment content que dans cet ensemble-là, il y ait le Big Bites, là, le Ramtail. Moi, je pense que c'est sous-vendu sur notre site web. C'est vraiment un super bon trailer à jig avec l'odeur. Fait que c'est un peu ça que vous allez retrouver dans votre ensemble pour le flipping. Un peu de plastique pour du montage, puis le nécessaire pour faire un montage texan, puis probablement peut-être un ou deux jigs, là. C'est vraiment la base pour pêcher la végétation. Moi, si j'avais ce kit-là, ben, c'est sûr que je pourrais faire 2-3 jours de pêche. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Si vous voulez en apprendre plus en profondeur sur ces techniques-là, n'hésitez pas à aller voir notre chaîne YouTube Pêche Expert où on va vraiment plus en détail. Mais pour l'instant, si vous voulez commencer avec ces techniques-là, l'ensemble technique de Pêche Expert, vous avez tout là-dedans. Bonne pêche!